40 minutes, hein. Deuxième minute de jeu. Ah, j'ai activé le sous-titre. Bonjour, qui est-ce ? Bonjour. Oh, Della, qu'est-ce qui va pas ? J'ai trouvé un travail pour toi. Hier, tu as dit que tu voulais travailler, n'est-ce pas ? Attends, sérieux ? Merci beaucoup. J'ai tellement besoin de trouver un travail. Au fait, j'ai découvert ce travail grâce à mon ami. C'est quoi le travail ? Tu travailles dans un laundry shop. Donc les laundry shops, si je dis pas de bêtises, c'est les magasins de nettoyage de vêtements. Non, c'est pas ça. C'est les magasins pour nettoyer les vêtements, non? Ah bah tiens, tu dois laver et repasser les vêtements. Demain soir, tu vas à la boutique, ok? Et je t'enverrai l'adresse un peu plus tard. Ok, je peux enfin travailler et gagner mon propre argent. Ça sent pas bon, ça. C'est pressing. Ok. Ça sent pas bon. Et je commence le soir encore. Oh, j'aime bien. On dirait que c'est cet endroit. Oh, 40 minutes, hein. Deuxième minute de jeu. Bonjour. Comment est-ce que je peux vous aider? Elle s'appelle Sis. J'ai envie de l'appeler Sister. Allez, salut Sorette. T'es la propriétaire de cette boutique? On va l'appeler comme ça. Ok, je veux postuler pour un emploi. Ici. Oh, bonjour. Je m'appelle Kina et je suis la propriétaire de cette boutique. Tu veux travailler ici? J'ai entendu dire que ce magasin avait besoin d'employés. Alors moi, je veux bien travailler ici. Ok, tu peux travailler là. Oh, je suis contente de plus travailler seule. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Kilira et j'ai 18 ans. Oh, t'as le même âge que Sarah. Tu commences à travailler demain soir, d'accord? Il faut que je ferme le magasin là, j'ai quelque chose à faire à la maison. Viens demain à 20h. Mais c'est I want to tell you what need. Je crois que c'est pour lui. Elle veut qu'elle vienne à 20h pour lui expliquer tout ce qu'elle a à faire dans le shop. Ok, merci beaucoup, sister. Je serai là demain. Ok. Oh la vache, quelle angoisse. 20h. Ah bah on est déjà au lendemain 20h, ok. Bon, moi ça m'embête pas, on commence, hein. J'avoue, on est payé combien? Parce que vu qu'il va se passer sûrement des horreurs, là. Sorette? Ça s'appelle pas du tout Sorette. Ah, oh, cet endroit est vraiment en désordre. Et elle est où, Kina? Kina? C'est toi? Ah, enfin, t'es venue! Est-ce que tu peux m'aider à ramasser les vêtements éparpillés sur le sol et me les donner? Merci. Bah, y a pas de souci, on va ramasser toute la merde, hein. Par contre, pour un endroit pour où tu t'es censé t'occuper du linge, je trouve que ça fait pas très propre. Mais c'est qu'un avis personnel, hein. Je ne suis personne pour juger. Merci. T'es la bienvenue, Sorette. Je t'appelle Sorette depuis le début. Qu'est-ce que je dois faire, Sorette? Pour ce soir? Bah, y a rien à faire. Bah, attends, mais je vais pas être payée beaucoup, moi, je le sens. Le magasin est très calme ces derniers temps, depuis l'accident.
Alors on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais parfois, il y a encore quelqu'un, il y a encore des gens qui veulent laver leurs vêtements. L'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ouais. L'autre juste avant. Oh, tu sais, il n'y a plus personne hein, depuis l'accident qui s'est passé. C'est vrai que tout le quartier est devenu vide. Hein. Comment ça, l'accident? Quel type d'accident? Ah, rien. Oublie ce que j'ai dit. Il y a eu un blanc là. Il y a un blanc. Bon, bah. Qu'est-ce qui est fou avec le linge? Je pensais qu'elle le foutait dans une machine à laver. Je me rends compte que c'est pas du tout une machine à laver. Putain, c'est quoi ça? Oh, pourquoi il y a Samara qui est devant le... Pourquoi il y a Samara qui est devant le truc là? Il se fait tard et c'est calme. Oh! Attends. Attention la porte. Allez, il est l'heure de fermer le magasin. Oh, on va brûler le magasin même. Hein. C'était qui cette dame? Non, mais Night 2, arrêtez. Night 2 de rien du moins, ça m'angoisse. Les trucs comme ça, commencez pas. Je dors depuis cet après-midi. La dame, elle était très étrange. Pour moi, elle n'avait rien de normal. Je peux me lever peut-être là, non? Je vais me péter une terreur nocturne? Fallait faire espace. Regardez l'heure sur le téléphone. Quelle heure est-il? Ok. Il est déjà près de 19h. Ok, je pars travailler à 20h. Je vais aller me prendre une douche et j'y vais. Quand ça va me péter dans les... C'était Elisabeth, effectivement. On l'a reconnue. Pourquoi est-ce que le magasin est fermé? Enfin, pourquoi est-ce que la porte est fermée, pardon. Il y a un papier. Oh! J'apprécie énormément, c'est un petit détail, mais j'apprécie énormément la petite animation de la feuille de papier. C'est un détail bête, mais j'apprécie. Lire. C'est une note de Kina. Alors que ça dit quoi? Lulu. Ok. Lulu, désolée, je peux pas t'accompagner au travail cette nuit parce qu'il y a quelque chose que je dois faire à la maison, s'il te plaît. Balaye le magasin, lave les vêtements des clients, je te fais confiance. Mais moi, franchement, je me fais moi-même pas confiance, hein. C'est mon avis personnel. Je crois pas que je travaillerai seule à cet endroit. Ben, malheureusement, je pense que c'est ce qui va arriver ici. Je devrais d'abord balayer le sol. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, sister. Je veux prendre les vêtements de ma mère. Ok. Je vais les chercher tout de suite, hein. Voilà, ils sont là, les vêtements de ta daronne. Allez, bonne soirée. N'oubliez pas de revenir, bien évidemment. Ça serait con quand même de ne pas revenir. Passe un petit coup de balai, ça fera de mal à personne, hein. 15, 15 tâches à nettoyer? Eh ben, il y en a qui profitent du système, hein. C'est trop facile, ça. C'est pas mal, ça. Moi aussi, je vais faire ça. Je suis actuellement occupée. N'étant pas disponible pour le moment, peux-tu faire mon montage, mes shorts TikTok ainsi que ma vidéo YouTube? Bonne soirée! Savez que ça me fout les pétoches? Ah, voilà! Le bébé qui pleure! Vous vous souvenez? Le bébé qui pleure, elle avait un bébé tout à l'heure, la meuf! Vous en... Il chiale fort, hein. Non, 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 attends, j'y vais pas.
La voix a disparu. Bah voilà, parfait. Voilà, c'était un polter. Voilà, fin de l'histoire. Je fous du gros sel devant le magasin. Je peux te dire qu'il va pas ramener ses petits petons. J'ai très peur, hein. Ok. Attends, mais je vais pas aller dans sa... La voie a disparu. C'est bizarre. Je pense pas qu'il y ait des maisons et des bébés dans cette zone. On va se prendre un truc. Personne va être prêt. C'est vrai que je regarde jamais au plafond et pourtant. Concrètement, il me reste quoi à nettoyer là? Ah bah là. On est qu'à 12? Ah, mais là, il y a des petits trucs. 13? Oh, ça va se jouer sur du coin, ça. Là. 14. Là. Je l'ai. 15. On dirait que tout est propre. Ok, maintenant on va s'occuper de repasser les fringues. Je peux pas poser le balai? Je chope direct ça? Bah, je suis d'accord, moi j'aimerais bien poser ce balai. Drop the mop. Mop, c'est serpillière. Balai, je sais plus comment on dit. Broom, c'est ça? Mais drop-le, Martine, drop-le! Espace. Allez, c'est parti. Ah non, c'est que c'est un autre vêtement. J'ai cru qu'en le repassant, il était devenu blanc. J'étais en mode merde. À gauche. À gauche. Il y a des pieds. Bon, je vais. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, on sait tous ce que c'était. Hey! Où est-ce qu'elle est? C'est tellement étrange. Pourquoi est-ce qu'elle est partie comme ça? Ok, je sais pas, je vais continuer de bosser. Je dois laver les vêtements dans la baignoire et les mettre dans la machine à laver. Franchement, moi j'ai pas envie, hein. Ah, c'était pas dans la baignoire, ça devait être dans le... Très mal traduit, je pense. Oh, ça sent le screamer à plein nez, hein. Je peux pas bouger, je peux que rotate comme ça. Ça va mal finir cette affaire, hein. Ryan, qu'est-ce qu'il y a? Je veux laver mes vêtements. Très bien, ça fera 5 euros. Et je prends que les espèces aujourd'hui. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'aller m'acheter un truc à bouffer. Allez, donne-moi ça. Attends. Put it on the shelf. Attends 2 secondes, il y a un problème. 2 secondes, hein. Ça arrive. Je dois mettre ça où? Attends, Martin, j'arrive. Je comprends pas où je dois mettre ça. Déjà, j'aimerais jeter ce balai de merde. C'est quand même impressionnant.
Bon, je te prends ça. Ah, là. Shelf, c'est ça. Ok. Allez. Il est temps de fermer le magasin. Bah non, il faut récupérer les fringues de Martin, là. Attends, donne tes vêtements. Toi? Comment ça, moi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'es nouvelle ici, non? Ouais, c'est mon deuxième jour de travail ici. Pourquoi? T'as pas peur de travailler dans cet endroit sombre et toute seule? Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Oh, c'est parce que tu connais pas l'histoire de cette boutique. Il y a un mois de ça, il y avait une femme qui travaillait ici avec Kina, tout comme toi. Mais elle est morte. Les gens ont dit qu'elle était morte parce qu'elle voyait une silhouette effrayante. J'ai même pas envie de lire la suite. Elle a eu une crise. Et de la mousse est sortie de sa bouche. Même le propriétaire du magasin qui travaillait au moment de l'incident n'a rien entendu ni rien vu dans le magasin. Enfin bref, du coup, personne ne sait ce qui s'est réellement passé, à part Kina et cette femme. Donc fais attention. Je crois pas à cette histoire. Tu l'as inventée, c'est ça? Bah, c'est à toi de le croire ou pas. Mais je voudrais laisser mes vêtements ici parce qu'il faut qu'ils soient lavés et je les récupérerai plus tard. Oh! Et à un moment, elle a dit, tu ressembles à ça, tu lui ressembles ou je sais pas quoi. Ou elle a dit, t'as le même âge qu'elle, elle nous a dit l'autre tout à l'heure. Donc elle sait quelque chose. Ok, il est temps d'aller à la landry. Commence à se faire tard. Oh! Aller à la landry? Your choice will determine the ending. Donc votre choix déterminera la fin. Bah, on y va ou on n'y va pas? Eh ben venez, on fait les deux. On se fait les deux. On fait le non et le oui. Ok, on met non. Je suis fatiguée. Ça serait mieux de dormir. Et là, on va se faire buter. Buter dans notre sommeil. On va se faire fumer dans notre sommeil. Alors là, vous pouvez être sûr. Du coup, on est concentré sur la télé. Oh putain. Allez. What the? Pourquoi est-ce que le courant s'est coupé? Ok, je devrais sortir et aller voir ce qui se passe. Je peux pas bouger. On dirait que quelque chose appuie sur mon corps. Ok. Night 3. Et là, du coup, bah, on va aller au magasin. Donc, en fait, on meurt comme ça? Ok, donc là, on va aller au boulot.
Donc là, go to the laundry, on y va. Salut! Toujours pas là. Ma souris, elle est devenue extrêmement lente dans le... Attendez, sans si. Ma souris, elle est désaxée déjà, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre, attendez. C'est bon, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va? Salut, désolée, je suis un petit peu en retard. Oh, c'est ok. Je suis désolée parce que j'ai pas pu t'accompagner au travail. Ce magasin a l'air propre quand tu travailles ici. Merci, j'aime bien travailler ici. Au fait, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Est-ce que t'as déjà entendu pleurer pendant que tu travaillais ici la nuit? Hier, j'ai entendu le bruit d'un bébé qui pleurait et j'ai vu la femme entrer dans le magasin. Quel genre de femme? Elle était vêtue d'une sorte de robe blanche et son visage était très pâle. J'ai jamais entendu de cri ni vu une femme étrange comme ça. Bon, c'est juste une hallucination. Je suis probablement fatiguée. Enfin, pardon, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est juste une hallucination, t'es probablement fatiguée. Peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Alors, s'il te plaît, va laver les vêtements à proximité de la machine à laver. Ok. Elle était fermée, cette grosse porte à droite, là. J'ai l'impression que j'ai envie d'aller aux toilettes. Waouh, la précision pour aller faire popo. C'est écrit plus exactement pour déféquer. Mais dans ce magasin, il n'y a pas de toilettes. Je vais demander à Kina où se trouvent les toilettes. Kina, si on est aux toilettes. Je voudrais aller aux toilettes un petit moment, mais je ne sais pas où elles se trouvent. Pourquoi on répète tout le temps la même chose? On va se démerder. Trop bizarre. Les toilettes, derrière le magasin, il y a des toilettes. Ah, ok, merci. Et 100%, je me fais agresser, hein. Oh putain. Le pire endroit. Là là! C'était quoi, un rat? Allez, appuyez sur espace. Ok, c'est fait, je vais aller continuer de bosser maintenant. Eh ben. Mais ça va pas, mais l'autre, elle me... Devant les cagouins, maintenant, elle me coince là. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? Serait, tu m'as surpris. Bah, je veux juste faire pipi. Bah, va pisser, en fait. Et nous fais pas chier, c'est quand même terrifiant. Mais t'es une ouf, toi. Elle le fait exprès, celle-là. Toutes les 2 minutes, on se fait agresser. Ah non. On est d'accord, tout le monde l'a vu. Elle était là-bas dans le coin, elle nous regardait. J'en peux plus.
Oh, mais arrête toi là! Mais elle pisse en wifi ou comment ça se passe celle-là? Je vais balayer le sol. J'en peux plus moi. Oh non, il n'y a plus de courant maintenant. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec les lights? Sister? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Tu me réponds maintenant? Vous êtes très semblables, vous êtes vraiment similaires. Oh non, moi et elle, ça c'est la meuf qui est morte? Mais non. Vous êtes inconscience et vous vous réveillez dans un petit et sombre endroit. Vous avez été déclarée disparue. Ending one. Ok, et là, il faut qu'on aille aux toilettes. Ok. Ah ouais, le détail. Pourquoi est-ce que les portes de la boutique sont-elles ouvertes? Go in, yes, no. C'est pas mal la petite interface. Peux pas allumer ma flashlight. Ah, je peux plus l'allumer. Oh là là, mais c'est la meuf. C'est la meuf. C'est un cadavre. What the fuck? Qu'est-ce qu'un cadavre fait ici à cet endroit? Je crois avoir déjà vu ce visage. Mais attends, elle s'est fait arracher le visage ou c'est le visage de la meuf, non? C'est... Yes. Il faut que j'en parle à Kina. Elle a été tuée? Quoi? Mais quoi? Mais à qui est ce bébé? J'ai vu un cadavre à côté du magasin. Qui est-ce? Réponds-moi. C'est Sarah. Mais pourquoi elle a le bébé là? Pourquoi elle a le knacky? Il y a un mois, elle s'est suicidée dans le magasin. Elle s'est attachée le cou et s'est pendue. Je sais pas quoi faire. Bah peut-être appeler la police, non? Ses parents la cherchent, mais je n'ai pas dit ce qui s'était réellement passé. C'est vrai que c'est discret, hein, juste le magasin d'à côté, il n'y a pas de problème, hein. Elle a été déclarée disparue. J'ai pris le corps et je l'ai caché dans le magasin. Derrière la porte. Non mais... Bizarrement, elle a donné naissance à un bébé. Attends, une fois qu'elle était morte? Et je sais pas pourquoi. Ah, ça l'a conduit à se tuer elle-même. Elle a été... Oh là là, putain, c'est glauque. Elle a été... On utilisera la lettre V, du coup, pour qualifier ça. Elle a été V par son petit copain. Ouais, donc ça m'étonne pas que la meuf s'est foutue en l'air et ça se trouve, elle voulait pas le bébé. Oh là 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 là. Et elle a tué son petit... I killed her boyfriend. J'ai tué son petit ami. C'est elle qui l'a tué, le copain. Bon, je baisse un peu son, ce qui s'y chiale. Mais t'es folle. Et pourquoi t'enterres pas Sarah? Et pourquoi tu dis rien à ses parents? On doit l'enterrer. Putain, mais... Enterrer le corps. Oh, je le sens pas. Attends, mais elle m'a assommé avec le bébé? Mais c'est une barjot, elle! Elle m'a assommé avec le bébé?
Vous avez été tué par Kina? T'as été tué par Kina et ton corps a été traîné dans un magasin vide et depuis la laverie a fermé pour toujours. Personne ne sait qu'il y a beaucoup de corps dans cette boutique vide. Kina a connu une dépression et a fini sa vie en s'écrasant, en ayant un accident de voiture jusqu'à ce qu'elle soit renversée et que son corps soit détruit. Oh là 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 là, mais le gamin, qu'est-ce qu'il est devenu dans cette histoire? C'est ça l'histoire finalement. Il est devenu quoi le gamin dans cette affaire? On se pose la question, nous.